amis, on a apporté un peu de changement à la chaîne ces temps-ci. Comme vous avez pu le constater, on a changé la bannière de notre chaîne YouTube. Donc allez voir si vous ne l'avez pas encore vu et dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous avons également mis notre Snapchat et notre Instagram dans la bannière Camoff tout le long de la vidéo pour éviter de trop parler dans les intros et les outros et faire de la pub spécialement pour ça. En parlant de publicité, je n'oublie pas Une Vie et Trillionaire Chrono qui m'ont donné cette idée de vidéo. Donc si elle est sur internet aujourd'hui, c'est grâce à eux. N'hésitez pas à rajouter Trillionaire Chrono pour des pronostics sportifs et gagner de l'argent en faisant attention à vos gains et à vos pertes. Et à rajouter aussi mon ami Une Vie sur sa chaîne YouTube pour suivre tous les lives Fortnite et pour jouer avec lui et essayer de gagner des V-Bucks. Dans tous les cas, vous êtes gagnant, c'est à vous de faire votre choix et de faire ce que vous avez envie. Que la vidéo commence et à tout à l'heure pour une conclusion. Ciao. Salut internet, c'est Camoff. Alors aujourd'hui j'ai décidé d'enfoncer un peu plus la casquette. Alors me demandez pas pourquoi et je pense que c'est parce que la vidéo que vous allez voir est tout simplement magique. Et du coup c'est une bonne occasion pour enfoncer la casquette un peu plus et pour vous faire justement parler sur ce sujet. Donc les amis, aujourd'hui on va faire un prank. On va aller dans la rue, je vais proposer à certaines personnes s'ils veulent de la coco. Bien évidemment je ne fais pas référence à des choses qui sont malsaines pour la santé. Je fais référence aux fruits qui est la noix de coco et qui s'affiche juste en haut pour faire chier le monteur. Bien évidemment, le but de cette vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, est d'aller voir la police, des policiers, et de leur proposer de la coco en faisant référence aux fruits que je viens de vous citer. Donc les amis, je vous laisse regarder cette vidéo dans son intégralité et je vous laisse commenter et mettre un j'aime si vous aimez et mettre un j'aime pas si vous aimez pas, je force la main à personne. En tout cas, regardez la vidéo jusqu'à la fin et donnez votre avis dans les commentaires. Et si vous voulez un deuxième épisode, je vais épingler un commentaire à moi. Et s'il y a beaucoup de j'aime dessus, je ferai un deuxième épisode et on ira voir, je sais pas, on verra, j'en sais rien. Voilà les gars, bon visionnage à tous et on se retrouve à la fin pour une conclusion. Bisous, ciao. Voilà les gars, ben aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme je vous l'ai dit, je vais aller voir des gens dans la rue et je vais leur proposer de la coco. Alors bien entendu, c'est pour faire référence à ce que vous pensez, hein. Mais je vais pas, j'ai pas vraiment ça dans le sac. En fait, je vais leur proposer de la coco. Et au dernier moment, je vais leur sortir une noix de coco. Voilà, donc ça, c'est la noix de coco en question. Mais le but, c'est d'aller voir des gens, de leur demander s'ils veulent de la coco, comme quoi on vend de la coco, et à la fin, de leur sortir une noix de coco pour voir leur réaction et pour voir ensuite comment ça peut se passer. J'enfile le sac. On va aller chercher des gens dans la rue. Voilà, le but de la vidéo, comme vous le voyez dans le titre, c'est justement d'aller voir la police et de leur proposer de la coco pour voir leur réaction et aussi pour voir s'ils se prêtent au jeu, si ça les fait rire ou pas. Enfin bref, dans tous les cas, on va repartir à la recherche des gens et on va voir comment ça se passe. Excuse-moi, il passe à quelle heure le bus? Dans combien de temps il passe? 5 minutes. 5 minutes? Quoi, je vais te parler d'un petit truc, tu as 22. Ça peut paraître bizarre, tu as vu, mais j'ai de la coco. Tu as vu de la bonne coco, frère? C'est quoi, tu serais intéressé ou pas? Non. Non? T'as rien bonne, c'est la pure. Ouais, mais non. Bon, elle vient de Colombie, c'est la frappe. Bon, je te jure, c'est. J'en ai dans le sac là, je te montre, mais en vrai, je te montre. Après, je te dis honnêtement, t'es pas obligé. Dans la route, tu veux me montrer ça, toi? Bon, ça me bat les couilles, on se met dans le coin là-bas, si tu veux. Non, je te montre. Je peux te montrer juste mon. Ah, parce que le problème, hein. Juste mon. Ah, mais y'a pas de police ici, frérot. Y'a pas de police. Gros, celle-là, même moi, je l'ai goûté. Tu vois comment elle est tarpin bonne. Oh, c'est de la frappe atomique, gros. Oh, je l'ai pris. Pouah, j'ai jamais goûté un truc comme ça, un produit comme ça. Jamais. Je te montre quand même. C'est de la coco, frérot. Coco, ça. Ah, c'est trop sur Google, il sort ça. Un truc comme ça, pour des gens pour des cons comme ça, des caméras qui. Elle est là-bas la caméra. Tu ne veux pas. Un euro 75. 15. Je te la vends. <main. rire> Ça va ou quoi? Tranquille. Ça va? Je ne se connaît pas, ça peut paraître bizarre. Je suis en train de faire le tour des lieux, tu as vu là? Parce que je cherche des gens qui seraient intéressés par la coco. Ouais, la coco, frère. Tu prends pas la coco? Tu n'as jamais pris de la coco? Ouais, la coco. Tu connais? Ben voilà, je cherche des gens qui seraient intéressés par ça. Tu vois, genre là j'en ai sur moi si tu veux. Tu prends la coco toi? Tu as déjà pris un peu? Ouais. La pure. Oh gros, même tu sais quoi? Mais... Tu prends, tu la goûtes devant moi si tu veux. Tu as vu, tu prends, tu goûtes devant moi. Si elle est bonne, frère, tu l'achètes. Elle vient direct des îles. Elle vient des îles celle-là. Elle est tarpin bonne. La coco des îles, frère. Ouais. Tu vois, voilà. Je te montre, sûr. Quoi, tu serais intéressé ou pas? Vas-y, montre, je te jure après. Ouais. Vas-y.
Tranquille, frérot. Après, il y a les conduites. Arrête. T'arrêtes, te moque pas, frère. Il y a les flics. De partout, qu'est-ce que tu as? Ah, te moque pas, poteau, en vrai. Quoi, j'essaie de gagner ma vie comme je peux. La... C'est de la coco. Quoi, décide, mon frère, tu la veux ou tu la prends pas? Je la vends pas cher, elle est tarpe bonne, je l'ai goûté, elle tue. La coco quoi? La coco, frère. C'est quoi la coco, c'est ça? Non, pas. Ça, c'est de la coco, tiens. Tu la veux ou pas? Non, tu la veux, tu la goûtes si tu l'aimes. Je te la vends, 1,75€. Non, vas-y, écoute le jus. Tu entends ou pas? Elle est tarpe bonne. En vrai, elle vient des îles. Elle tarpe une juteuse, frère. Tu la veux pas? Quoi, je connais déjà intéressé, je te laisse mon numéro au pire. Tu m'as dit que j'étais intéressé, moi maintenant je fais comment, frère? Je suis obligé de repartir à la conquête d'autres personnes qui seraient intéressées par de la coco? Vas-y, essaye. Tu peux pas l'acheter? Quoi, 1€, dernier prix, je te la fais. Sûr? Ouais, t'es. Bon, vas-y, gros. Bah, ouais, mais j'ai perdu mon temps, ça m'énerve, frère. Ouais. Bonjour, excuse-moi, bon. En fait, je vends de la coco, tu as vu? Je peux te le dire, y'a personne, mais je vends de la coco. Je cherche quelqu'un qui serait intéressé. Parle moins fort. Non, mais tranquille, y'a personne ici, non? Ouais, on sait jamais. Je vends de la coco. Ouais, je vends de la coco pas cher. Tu as vu, mes frères, c'est de la pure. Elle est tarpin bonne. Même moi, je l'ai goûté, gros, c'est vraiment c'est une tuerie. Genre, elle vient des îles et tout, tu as compris? Ouais, c'est... Ouais. Okay. Elle est tarpin bonne. Et après, j'en ai sur moi, si tu veux vraiment. Bah, si tu veux. Ouais, bah, vas-y, montre ce que j'ai. Vas-y, viens. En fait, là, c'est vraiment un produit de fou. Genre, y'a pas de. Comment t'expliquer? Elle est pas coupée, rien, tu vois. Je te jure. Tu en as déjà pris ou pas? Bah oui, évidemment. Tu en as déjà goûté? Bah oui. C'était allé au quartier. Ah, t'allais en prendre le bus? J'allais prendre le bus. Non, le... Vous bavez, frère. Vraiment, non, acheté, j'en ai là, c'est méchant de marchandise, frérot. Hein. Tu as jamais vu ça de ta vie. Hein. Ça, c'est. Tu vends par combien en fait? Je peux te vendre au kilo si tu veux. Au kilo? Ouais, au kilo. Je te montre. Vas-y, montre. Tu es prêt? Y'a personne autour. Elle a caché dedans? Non, elle est pas cachée dedans, c'est de la coco, frère. C'est de la coco. Mais non, mais ça, c'est une noix de coco. Bah, c'est de la coco ou c'est pas de la coco, frère? Mais c'est une noix de coco. Bah. C'est de la coco, mon frère, wesh. Dérivé, raccourci, abrégé, noix de coco, coco. Ça, on peut le trouver à la supérette, ça sert à rien. Mais frère, au lieu d'aller à la supérette, t'as pas compris. Au lieu d'aller à la supérette, moi, je vais voir des gens et je leur dis, tiens, est-ce que tu veux de la coco? Mais j'en ai rien à foutre de ta coco de merde. Mais je t'ai pas menti, je t'ai dit, c'est de la coco. Ça, c'est de la coco, frère. On est pas fou, j'ai de la coco, c'est pas un kilo, il y a presque un kilo là. Il y a presque un kilo là, frérot, tu m'as même vu au bas là. Oh, mais là, t'es en train de me regarder. Regarde, hop là. C'est une blague, t'es en train de me regarder. Ouais, c'est une blague, gros, c'est une blague. Gros, c'est une blague, c'est pas vrai. Mais c'est quoi, je comprends pas. C'est... Mais je vais voir les gens. Demande... Si tu veux de la coco, en fait, je te une autre coco pour voir la réaction. C'est pas méchant. Bah oui, c'est drôle, pourquoi? Ah, bah là, je dois attendre encore une demi-heure pour prendre mon prochain bus. Ouais, bah ça, toi, ça te fait pas rire, en tout cas, ça fait rire les gens qui trouvent. Regarde là-bas, il y a une caméra cachée. Regarde la caméra là-bas, il y a une caméra cachée. Bonne défense. Bonjour monsieur, bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis dans le secteur là, et j'aurais un truc à vous demander, est-ce que vous avez déjà pris de la coco? Là. Dans votre vie, vous avez déjà goûté? Ou pas? C'est des autres gars là, non? Ouais, il y a marqué quoi là? La police, mais je vous demande si vous avez déjà pris de la coco. C'est déjà en garde à vue vous? Oui, plusieurs fois. Parfois, vous avez envie d'y retourner là? C'est dangereux sur vous là? Non, j'ai rien de dangereux, je voulais quoi, ma carte d'identité? Vous avez rien fait de mal, vous me dites en plus. Je comprends pas. J'ai juste demandé. Je vais prendre la coco à la carte d'identité. Tenez. Bon, je vais en prendre ta carte. Et va-t'en. Ça y est, tu t'es bien amusé, ça y est. Pourquoi je me suis bien amusé? Non, je disais. Si tu viens, tu me parles de ça. Moi, je te demande si tu vas aller en garde à vue. Ça te plairait d'aller en garde à vue? Pourquoi? Parce que je vous ai posé une question. On n'est pas là pour ça. Mais non, mais je vais pas notre père là. Monsieur, moi, je vous ai demandé tout simplement si vous avez déjà pris de la coco. Parce que j'en vends. Et je vous comptais vous en vendre un peu. C'est pour ça que je vais vous cher. Mais elle est tarpin bonne, j'en ai de la cocher. Donc là, tu en as là. Tu es à la police nationale et tu veux nous vendre la coco, tu viens de dire. Ben oui. Donc là tu en as sur toi. Oui. Monsieur, moi je descends pas, je suis désolé. Non, je descends pas. Vous allez m'embarquer, je le sais, je vais pas descendre. Vous êtes embarqué. C'est une blague, c'était une blague. Il y avait rien dessus. Non, ben, je descends pas, je descends pas. Je reste en haut, je dors là. Je m'en fous, je dors ici. Monsieur, c'était une blague, regardez. C'était une blague, y a pas de coco, y a rien, y a juste une noix de coco, regardez, c'était une blague, y a rien du tout. Voilà, moi si je descends, je vais pas en garde à vue, je vois votre parole, j'en ai rien à foutre. Je descends pas, sinon j'ai rien fait. Mais j'ai rien fait, c'est... Non, j'ai pas, c'est vrai, ça se fait pas, mais je voulais... C'est une noix de coco, j'ai rien sur moi. Non, moi je descends pas, monsieur, je suis désolé, je sais que... Ben je descendrai, mais quand vous serez plus là.
C'est tout. Moi je vous dis, monsieur, vous voyez que c'est notre coco, c'est une blague. C'est une blague, mais je vais pas descendre, vous allez m'embarquer. Dites-moi juste que je vais pas aller en garde à vue, je viens avec vous, y'a pas de problème. En garde à vue, tu resteras sur ton cas. Si tu t'excuses, que tu descends et que tu arrives sur toi, c'est possible que je t'emmène pas en garde à vue. J'ai votre parole. Possible. J'ai votre parole, si je descends, j'ai pas de problème. Parole, descend, tout se passera bien. Mieux. Ça se passera bien. Je fume même pas. Au plus tu vas attendre, au plus ça va m'énerver, au plus ça, oui. Tu vas juste dites-moi, je vais pas en garde à vue si j'ai rien. On est d'accord, si j'ai rien d'illicite. Sûrement, on va en garde à vue. Ça t'a amusé? C'était bien? Mais non, mais ça va. Tu fais découvrir comme ça? Mais... Regardez. On a vu, il y avait rien dedans. Non, regardez, prenez ma sacoche, fouillez là, s'il vous plaît. Voilà, il y a rien dedans. J'ai absolument rien. J'ai rien, regarde. Mais fouillez, j'ai rien. C'était une caméra cachée. D'accord, et là, tu m'as fait le sens de là, tu es en train de nous filmer là. C'est une caméra cachée. Et où la caméra? Elle est là-bas. D'accord. Venez ici, venez avec la caméra. Viens, gros, s'il te plaît, ouais. C'est bon, viens. Arrête là. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est que. Monsieur, ouais. C'était une caméra cachée. On va pas mon boss quand même. Mais pourquoi faire? Sérieux? Parce qu'on est pas que ça à faire. Je nous avais perdu, on est pas que ça à faire. On est là, je nous ai pas fait courir. On est là pour une mission. Je suis désolé, franchement, vraiment, je suis vraiment désolé. Non, mais on fait pas ça. Alors si je me propose de là qu'on te laisse partir là, tu vas mettre ta petite vidéo sur internet. D'ailleurs, tu vas la supprimer cette vidéo. Mais non. Je vais vous montrer le visage. Mais on est au service de l'État. Mais oui, mais la police nationale, d'accord. Je suis d'accord, je sais très bien, je suis désolé, je veux pas offenser la police ou quoi que ce soit, je suis même pas contre vous, au contraire, je soutiens les forces de l'ordre. Mais elle va venir au poste aussi, et on va discuter au poste maintenant. Et on va te montrer comment ça se passe quand on est quoi, avec des agents de la police. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi, c'est mon travail. Pas s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est mon travail, ça aussi. Oui, eh bien, nous on fait quoi là? Je suis payé pour ça. Donc tu viens au poste, c'est tout. Les caméramans, ils peuvent venir aussi. Bon, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Là, on vient de sortir du commissariat, donc on est dans une petite ruelle, on rentre à pied. Voilà, tout simplement parce que on n'avait pas prévu une voiture et tout ça, et qu'on est monté avec en voiture, du coup, on rentre à pied. Enfin, bref, ça, c'est pas le plus grave. Alors, je remercie les deux policiers qui sont apparus dans la vidéo parce que. Bon, oui, certes, ils m'ont embarqué, mais quand je suis arrivé, ils m'ont fait la morale. Je me suis bien évidemment excusé parce que je suis en tort. Mais au fur et à mesure de la discussion, je leur ai expliqué que j'étais youtubeur, que je faisais des vidéos sur internet, tout ça. Et ils ont même regardé quelques vidéos parce qu'ils m'ont demandé la chaîne. Donc, ils ont regardé les vidéos. Et à la fin, ils en ont même rigolé. Donc, ils trouvaient que ce que je faisais, c'était bien, que voilà, le sauvetage d'animaux, tout ça, c'était vraiment bien. En parlant d'animaux, il y a un chien cowboy et une voiture carrée, c'est cool. Donc, voilà, ils ont regardé les vidéos au poste. Ils ont vu ce que je faisais, ils en ont même rigolé. Et à la fin, ils ne comprenaient pas trop pourquoi j'avais fait ça, parce que ça allait contre justement mes vidéos. Mais à la fin, je leur ai expliqué que c'était juste un prank, que je faisais des caméras cachées et que c'était vraiment pas mal intentionné tout ça. Donc du coup, ils ont été même d'accord pour qu'on récupère les vidéos, à condition qu'on foute leur visage, et c'est bien évidemment ce qu'on a fait. Donc merci aux forces de l'ordre, merci à toutes les personnes qui étaient là, aux caméramans, aux gens qui étaient dans le commissariat, qui nous ont pris à la bonne, qui ne nous ont pas fait faire de garde à vue. Merci à vous, merci à la police. Et surtout, ne reproduisez pas ça chez vous, car ça peut être très dangereux et les forces de l'ordre n'ont pas que ça à faire. Donc vraiment, cette vidéo, c'est pas un exemple, je suis vraiment désolé. À la base, je véhicule de bons messages. Mais là, vraiment, c'était vraiment pour vous divertir un peu et voilà. Donc bon, tout est bien qui finit bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et là, on va faire une petite téléportation chez moi. Et voilà, donc 3, 2, 1... Oh putain, la téléportation, c'est quelque chose de bien aujourd'hui, hein. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je le répète, notre but c'était pas de nuire aux forces de l'ordre, c'était pas de donner une mauvaise image de la police, c'était vraiment pour faire une vidéo, pour faire un prank, et vous avez été nombreux à nous le demander, c'est pour ça que nous l'avons fait. Je tiens à remercier bien évidemment les forces de l'ordre qui nous protègent chaque jour. Je tiens à remercier les deux policiers qui sont là aussi et qui ont été sympas, et qu'au final c'est grâce à eux qu'on ait pu sortir cette vidéo, parce qu'au départ ils étaient complètement contre. Et je remercie également le caméraman qui a pris énormément de risques en faisant cette vidéo avec moi. Bon, bien évidemment, si vous aimez nos vêtements et que vous voulez les porter, hein, ça aussi j'ai dû le répéter je sais pas combien de fois, n'hésitez pas à vous rendre sur le site www.futuratech.com. Me demandez pas pourquoi je fais ça, même moi j'en ai aucune idée. Voilà les amis, en ce qui nous concerne, on se retrouve bien évidemment, comme toutes les semaines, mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça sera peut-être un prank, peut-être une expérience sociale, peu importe. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous et j'espère que vous allez m'aider à atteindre les 400 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là et d'être présent
comme vous l'êtes actuellement. Et je tiens encore à m'excuser auprès des deux policiers, car souvent on oublie que sans eux, ça serait l'anarchie sur Terre. C'était Kamoff, on se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. A bientôt et faites attention à vous. Ciao.